Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, attendez, je bois une gorgée de café. D'habitude, j'en bois pas parce que sinon je dors pas, mais là, je suis dans les vapes. Je viens de me lever, alors. J'ai juste ça pour travailler là, pour faire, vous faire votre le tuto parce que. Je suis en train de faire des découpes depuis hier et j'ai pas fini. Bon, j'aurais dû attacher mes cheveux, bien que je les ai coupés. Donc aujourd'hui, nous allons faire pour faire de la pâte de texture pour faire des dentelles. Alors, il vous faudra donc des moules dentelles. J'en attends encore plein parce que j'en ai recommandé. Il y en a sur Ali. Il y en a des ils viennent de Ali d'ailleurs. Ceux-là. J'aurais dû mettre un pull, même que j'ai mon. Bon, tant pis. Il vous faut deux pots vides. La prochaine fois que j'irai ma fille en course, je vais lui demander qu'elle m'achète des petits pots de bébé là, comme ça j'aurai des petits pots que je pourrais laver, et parce que ça c'est des pots que j'avais fait, j'ai le couvercle avec, mais quand je vais les laver, si j'ai pas tout pris là. Ça y est, il y a le soleil. Évidemment. Tout pris la pâte pour faire les dentelles. Et en plus, on peut faire aussi avec des pochoirs. Donc, il vous faudra donc deux pots, enfin des pots, hein. On va commencer par un déjà. Je vais essayer avec deux sortes de trucs. Donc il vous faudra peau, pour touillette, évidemment. Il vous faudra de la colle. Alors, vous prenez de la colle, ça c'est de chez Action. Rayon enfant. C'est très bien pour la pâte. Il vous faudra des paillettes les plus fines possibles. Alors moi j'ai ces carousels. Bon, ça va pas faire long feu, hein, mais parce qu'il en faut pas mal. Et je voudrais essayer aussi avec cela. Alors, je vais d'abord essayer avec cela. Ça m'embête parce que c'est pareil. Il y en a plus. Je sais pas si j'en retrouverai. Bon, on verra. C'est pas grave. On va faire de la dentelle bleue. Donc, il faudra une spatule. La spatule, je l'ai oubliée évidemment. Il faut que je me détache pour aller la chercher. Je suis désolée. Attendez, je vais mettre pause. Bon, me revoilà. Alors, j'ai pas trouvé mes spatules, hein, vu que ma scrapeau m'a complètement changé avec mes meubles. Il faut que je recherche sans m'énerver. Donc, on fera ça. On va faire ça avec un couteau à beurre. Hein, il n'y a rien, ça coupe pas, ça. Oups. Par contre, j'ai retrouvé mes cartes de fidélité parce que ça, c'était une carte en carton. Blablabla. Je retrouve même des moulages. Faringer, hein, faringer. Faringer au fur et à mesure, madame. Et la caméra a bougé. Donc, alors, on se met là. Il vous faut carte de fidélité, périmée, si possible. Hein. Colle blanche, colle. Transparente, pardon.
Je sais pas, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si j'ai demandé. Des paillettes, donc on va faire avec des paillettes bleues. Gobelet, alors tant qu'à faire, vaut mieux gobelet petit pot, quoi. Et nous allons faire ça. Donc, je débouche. Oui, il se débouche. Donc, on en met au pif. Voilà. Donc, on va dire que j'ai mis. Normalement, on va lui suivre le. On va dire que j'en ai mis. Alors, en plus, on voit même pas. On va dire que j'en ai mis 1 cm. 1 cm de colle au fond. Ensuite, des paillettes, on en met. On va voir. On touille avec la touillette. Alors, cette colle, elle est très bien parce que elle est un peu épaisse. Pourquoi je parle comme ça, moi? C'est pas grave. Donc, alors, on touille, on touille, on touille. Hein, pour que ça soit bien. Et il faut absolument que je retrouve mes spatules. Pourtant, j'avais rangé tout ce qu'elle est ensemble. C'est-à-dire que donc les spatules avec le mix média, enfin, tout ce qui est pâte et tout là, mais non, ils sont pas là-bas. Ou alors je ne les vois pas. En plus, comme il fait sombre, j'ai pas de lumière. Heureusement que j'ai un truc là. Donc on touille. Faut que ça vous fasse faut que ça vous fasse une pâte comme ça. Voilà. On touille bien pour que ça soit. Ça soit bien que les paillettes aillent bien dans la colle. Voilà. Ça va faire un beau bleu. Un bleu turquoise. Enfin, peut-être, hein, parce que quand ça sèche. Hop. Évidemment. De toute façon, ça se nettoie bien. Donc, je vais le mettre là. Par contre, je ferme. Avant de faire des bêtises, parce que moi je suis Miss Catastrophe. On va prendre les plus grands. Oui, je les avais coupés pour partager avec une copine qui n'est plus une copine. Alors, quand on me fait des petits dans le dos, moi, et ben donc voilà. Alors, on prend un peu de. Texture, oui, parce que c'est de la texture. On va en mettre tout de côté. Essayez de pas. J'avais un chiffon. Ah oui. Là, je retrouve même plus mes chiffons. En plus, j'en avais une tonne. J'en ai jeté quand je faisais mon. Bon, alors ça, on le remet dedans. Et on prend la carte et on étale bien pour qu'il y en ait partout. De toute façon, si ces pots sont machinés, c'est pas grave, je les garderai pour faire les pâtes de texture. Donc on appuie bien. Ah oui, je voulais remercier ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire jeudi 17 sur Facebook.
Donc on étale. On étale. Alors, en voilà une. Alors, en voilà une. Je regarde si j'en ai mis partout. Oui. Donc là, on va le mettre. Pour l'instant, on va le mettre là. On va en faire un autre. On va faire les papilles. On va faire. On va faire celui-ci. Donc au début, on étale bien partout. Alors c'est un tuto de Carino Créa qui a eu de sacrés problèmes. Elle avait une chaîne que c'est toujours le même nom d'ailleurs. Elle avait plus de 6000 abonnés. C'est une institutrice de petits et elle fait beaucoup de choses. Surtout, c'est dommage, hein. On a perdu, elle a perdu, elle a perdu toutes ses vidéos, quoi, puisque. Je vous donnerai, enfin vous tapez le nom que je vais vous donner parce que j'ai pas le lien de sa chaîne, je sais pas comment on fait pour donc vous tapez Carinou Créa et vous tombez dessus et donc elle refait les tutos là je vois qu'il y en a pas assez. Deuxième couche. Alors, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous laissez un peu sécher et vous en mettez une couche après. Parce que comme c'est des dentelles fragiles, il vaut mieux. Il vaut mieux. Qu'il y en ait plus. Alors, vous laissez sécher bien. Alors, vous passez même votre doigt par-dessus, hein, si vous êtes bigleux comme nous. Comme ça, en plus, ça étale. Ça étale. Faut pas que je me penche. Alors j'hésite. Attends, je vais ramasser là parce que j'hésite de trop étaler parce que même si ça laisse un léger film quand ce sera sec. C'est pas grave, donc voilà celle-ci. Alors attendez, je regarde s'il y en a partout. Donc il faut pour le séchage, il faut le laisser. Bon, si vous avez des radiateurs, c'est encore mieux. Attends, il y en a autour. Je vais tout tâcher. Ben voilà. Regarde-moi ça. Chiffon, chiffon, chiffon. Alors,
Donc, on va essuyer la carte. J'en fais encore. Attendez. Je vais faire les papillons, tiens. Je vais faire les papillons. Alors, il y a des papillons entiers et des papillons qui se posent ou qui volent. Oh, t'en as peut-être mis un peu trop, héros. C'est pas grave, ça s'enlève. Bon, déjà, on remplit. On vide. On remplit. On vide. Après, j'ai fait un, je vous ferai une autre vidéo parce que j'ai reçu un courrier de scrap. Je vous dirai ça dans la vidéo parce que j'avais fait un appel vu que j'ai plus d'imprimante pour qu'on me m'imprime des photos de femmes, de visages de femmes en noir et blanc que j'avais mis sur. Tiens, là, il n'y en a pas. Bah oui, mais si tu te servais de ta carte. Et elle m'a gentiment proposé de me les faire en attendant que j'ai mon une nouvelle imprimante qui est pas de main la veille. Il faut d'abord que je finisse de payer ce que j'ai à payer. Tiens, là, il n'y en a pas un euro. Là, là. Tu veux pas rentrer, là? Hé! Attends. On va te tirer dessus. Tu vas rentrer. Quand ça veut pas rentrer, vous tirez, hein, vu que c'est élastique. Vous faites pas ça comme une cochonne comme moi. Je vais faire vite parce que depuis qu'ils ont mis la fibre là, moi je suis pas sur la fibre. Ils ont mis la fibre il y a, je sais plus quand là, il y a pas longtemps. Mes vidéos, elles mettent 3 heures, voire une nuit. La dernière, elle a mis une nuit. Elle faisait même pas une demi-heure. Elle a mis une nuit à télécharger. Alors là, je comprends pas. Faut que je demande à mon fils d'ailleurs. J'ai oublié de lui en parler. Quand je vais lui téléphoner. Alors, est-ce qu'il y en a partout? Je suis désolée si je finis pas mes phrases. Hein. Donc là, voici. On voulait faire voir à l'endroit, tant qu'à faire. Donc voici. Je m'aperçois qu'il en manque un gros morceau ici. Alors, s'il a manqué un gros morceau, ça va pas le faire. Hein? Alors, un petit cachotier, tu voulais me faire une blague? Hein? Voilà, j'appuie pas dessus, plus dessus. Ou légèrement, sans appuyer. Voilà. Ça se nettoie très bien, hein, les moules et tout, les cartes, tout eau chaude, il en manque là aussi, hein, mais c'est pas possible. Hop, j'y vais au doigt. Eau chaude et puis vous mettiez du produit vaisselle dedans hein, ou de la lessive ou du shampoing hein, si vous en avez plus hein. Moi c'est comme ça que je fais hein. Quand j'ai plus de lessive je lave avec du truc vaisselle du shampoing c'est les mêmes trucs qu'il y a dedans hein, de toute façon
Voilà. Donc les papillons, ils sont faits. Donc on va les mettre là. Par contre, j'aurais bien voulu. Il va falloir que je m'achète une planche. Qu'est-ce que je suis bête? J'ai un grand morceau de carton là, oui, parce que j'ai gardé quand même des cartons. Alors là, j'en ai gardé un grand. Et sinon, j'en ai gardé des petits de. Tous les trucs de chez Amazon, je les garde. Par contre, j'en ai jeté plein, hein, parce que. Voilà, on va les mettre à sécher. Là-dessus. Qu'est-ce qui est tombé? Non, ça va. Donc, on va les mettre à sécher là-dessus. On va faire l'expérience. Oh, c'est pas raisonnable. Qu'est-ce que tu me fais là? On va faire l'expérience avec un pochoir. Donc. Je préfère mettre. Je préfère l'attacher. Je préfère l'attacher. Et ça fait toujours un. C'est pas grave. Donc. Hop. Vous faites comme votre pâte de texture normale. C'est comme vous savez les pour faire le tuto que je vous avais fait là pour faire les drops là qui font pas des drops. Ou si vous voulez vous en servir pour autre chose, et ben vous faites pareil, vous mettez le truc qu'il y a dans la. On va dire que c'est de la peinture. Hein. La peinture. Je vous ai fait un tuto dessus. Et ça fait de super fond. J'avais fait un fond. C'est bien, toi. Tu parles et puis tu fais des conneries. Attends. Pardon, des bêtises. Ben non, parce que je sais pas, c'est en plus je peux tourner deux vidéos pendant que l'autre elle est en train de. Hop, hop, hop. Et hop. On les suit tout de suite. On enlève. Ouais, bon. On va faire un autre essai, hein, parce que ça fait pas terrible. Pardon de passer devant vous. Donc on va le mettre de l'autre côté, hein, le truc, parce que. Non, on va l'essuyer même. Essuyage. Et le chiffon qui se collage. Alors on essuie. On en met moins de. On va en mettre moins. Droite qu'à faire, s'il te plaît. Voilà, donc déjà on enlève ça. On va en mettre moins. On prend la carte.
c'est là. Alors en même temps, je tiens quand même le même que le que j'ai mis du truc violet là. Moi j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre du washi. Hein. Mais moi je ne veux pas gâcher mon washi puisque. Passé en dessous, c'est que ma pâte elle est trop liquide et donc il faudrait rajouter. Et ben non, voilà, on a réussi. Il faut en mettre moins quand voilà, ça vous fait la pâte de texture, un beau fond qui brille. Bon là il brille parce que c'est mouillé, mais je vous le ferai voir en même temps que le démoulage de d'habitude je mets une bassine d'eau là des dentelles, c'est à dire quand elles seront sèches, je ne sais pas quand. Pour l'instant attends, je mets ça là, toi poubelle. Et tu vises bien, parce que... Alors celle-ci, eh ben celle-ci on va pas la rater. Celle-ci, on va faire ça. Avec le doigt, hop. Même avec la carte, tiens. Ah ben on peut même l'enlever, tiens. Mais autant faire un fond. Et puis après... rajouter des trucs. Hein, tiens toi, t'es plein de trucs. Hop, on fait un fond. Hop. Alors, pour qu'il y en ait partout. Voilà, on a fait un fond bleu turquoise qui brille. Et après, on n'a plus qu'à... Il faut laisser sécher, évidemment. Mais quand ce sera fini, on fera une... on fera un... On rajoutera des trucs dedans, quoi. Est-ce que vous voyez que ça brille? Je sais pas. Bon, on verra ça... ce sera sec. Donc il faut au moins 2 jours. Hein. Moi je vais le laisser par terre vu qu'ils ont mis le chauffage, il me semble. Donc je vais le laisser. Alors normalement mettez une bassine à côté de vous et puis pas de bordel comme ça, c'est-à-dire que vous faites pas tout et à la fois quoi. Donc là il m'en reste un peu, je vais mettre le couvercle. Avant, je vais essuyer parce que sinon ça va coller mon couvercle. Donc j'essuie le tour. Je vais mettre ça. Voilà. Je vais pas essayer une autre couleur parce que ça va faire trop long la vidéo. Je vais peut-être refaire une vidéo pour mettre une autre, pour essayer avec celle-ci, ou j'avais envie d'essayer avec celle-ci. Alors ça c'est de la perlex, c'est quand je faisais de la fimo, j'en ai encore plein de trucs de fimo d'ailleurs, mais pour l'instant j'ai pas envie d'en faire. C'est de non toxique, c'est de la poudre,
Blanc-perle. Blanc-perla. Ah, j'avais payé ça cher en plus. Il y en avait 9 pour. C'était. C'était. Oh, c'était cher ça. Les 9 pour. Pour 15 euros et 9, je crois. Ou 30 euros, je sais plus. Bon, c'est de la Perlex en tout cas. C'est de la poudre. J'en ai donné plein à. Parce que j'avais pris les trois trucs et puis j'ai dit je m'en sers pas. Elle est toute neuve, la preuve. C'est que. Donc ça c'est du blanc. Du blanc, comment ils ont dit? Ça y est, je me rappelle plus. Du blanc perlé. Je sais pas ce que ça va faire. Je voudrais essayer avec ça. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais la mettre en ligne. En attendant, je vais nettoyer tout ça et je vais faire la vidéo pour celui-ci. Et après, je ferai une autre vidéo pour le courrier de ma tendre et chère amie. Je suis en train de lui préparer un envoi, une lettre, enfin une lettre, une grande lettre quoi, avec des trucs dedans, des créas, voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.